Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 4 si je compte bien. Bon, apparemment il n'y a pas de souci. On s'était allié à la Pologne dans le dernier épisode, je me souviens. Venise est en guerre, est-ce que par hasard, juste contre la Serbie? Et elle a attaqué Venise, j'imagine. Ah non, c'est Venise. Non, la Serbie qui se dit, oh, je suis toute seule, on pourrait aller attaquer Venise. Ah, c'est téméraire, moi je pense qu'ils vont perdre. Bon, on verra. Les prochaines étapes, ça veut peut-être être de conquérir Ansbach. De toute façon, à terme, va falloir que j'y passe. On fera une autre guerre sur la Bohême à l'occasion. J'ai pas encore pris mon truc de mission en me disant que je pourrais potentiellement développer ma capitale à ce moment-là. J'ai un ensemble de doctrines à adopter. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. J'avais pas regardé les doctrines bavaroises. Alors on va en profiter. Oula! Alors ma touche pour monter le son, elle ouvre cet écran. Je suis désolé. Donc je voulais regarder les doctrines. On a puissance des missionnaires contre les hérétiques plus 3, waouh, et influence sur le pape. Donc on a intérêt à rester catholique du coup j'imagine. Modif national d'impôt plus 10%, discipline, coût de la stabilité, prestige, productivité, légitimité. Probabilité combativité de la cavalerie plus 50%, probabilité d'avoir un héritier plus 50%, et à la fin on aura coût de développement moins 10. Ça peut être vachement bien du coup. Moi je vote pour. Parce que la première réforme ça fait coût de développement et coût de construction réduit pour tous les membres. Donc je suis en train de me demander si jamais le coût de développement, j'ai pas intérêt à le réduire un maximum, sachant que j'aurai les moins 10, je vais avoir moins 15. Si je prends. Ah non, c'est les coûts de construction qu'on peut réduire comme ça. Je suis pas sûr qu'on puisse réduire les coûts de développement. On peut réduire les coûts de légitimisation. Je pense qu'il vaut mieux que je réduise l'impact de l'expansion agressive. Et que j'obtienne des diplomates. Relations diplomatiques. Réputation diplomatique, coût d'annexion diplomatique, aspiration à la liberté, les vassaux. Je sais pas si ça vaut la peine d'avoir des vassaux dans l'Empire, sûrement des tout petits, mais il faut leur imposer la vassalisation, alors c'est un peu casse-pied. Je pourrais prendre coût des technologies moins 10. Ah oui, en plus c'est toutes les technologies ça. Propagation des institutions, moins de lassitude de guerre, commandant, c'est pas très intéressant. Et moins de coût des doctrines. À force à faire plein de points. Je pourrais prendre de réduction. J'aurais besoin d'économique pour la réduction de l'inflation. Il y aura des coûts de construction. Intérêt moins important. L'autonomie évolue plus vite. L'autonomie diminue plus vite. Expansionniste, pas trop. Exploration non plus. Parmi celles-là, peut-être que celle-là, c'est la plus intéressante. C'est la plus intéressante pour les. En termes de coûts de points. Je sais jamais vraiment trop ce qui vaut la peine ou pas. Je sais que naval ça vaudra pas trop la peine du coup. Je crois que dans qualité il y a beaucoup de trucs navaux. 1, 2, 3. Ouais. Offensive ou quantité ou qualité, on verra. Bon, je suis pas encore certain de ce que je prendrai. J'ai des revendications sur mes voisins. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On va en faire sur Würzburg, même s'il m'aime bien. De toute façon, j'ai une expansion agressive telle que je peux plus faire de guerre. On va relancer, on va améliorer nos relations avec nos alliés. Par exemple, la Saxe qui trouve que je suis un voisin un peu agressif. Je préfère encore un truc d'impôt à Ratisbonne.
C'est une province que j'avais au début, Ratisbonne. Ouais. Comment ça avance l'institution? Hésitation 9? Ah, c'est une province que j'ai conquis. Plus 0,8, plus 0,9. Mais à Carniole, ils l'ont adopté. Il n'y a pas de lien. L'Égypte l'a pas encore. L'Égypte. L'Autriche, plutôt, l'a pas encore adopté. Pourquoi eux, par exemple, ils en ont pas? C'est une province pas assez développée, c'est ça. Province européenne d'un niveau de développement de 5. Ou de 10 ou de 20. Et 5, il faut que ce soit après 1500. Ça permet de voir les provinces les plus développées. Il y en a jusque-là. Hein. 15 ans, il y a des provinces. Ah non, c'est la féodalité qui progresse. Pas la Renaissance. Ulm a affirmé que j'étais son rival. Je les ai mis aussi. Ouais, c'est pour ça. Ulm, ils ont qui comme alliés? Mayence et Ravensburg. Ah, lui, il a bouffé. Würzburg. Rend la province. Je sais pas si l'Autriche osera réclamer. Elle veut pas perdre de points d'autorité. Elle fait bien, je pense. On monte pour l'instant. J'ai pas intérêt à manger grand monde pour voir au moins la première réforme. La deuxième. C'est juste pour l'empereur, donc on s'en fiche. Les membres obtiennent légitimité annuelle. Réputation diplomatique. Coût des technologies. Légitimité annuelle. Et après, ça tourne, ça finit mal pour nous. On devient des vassaux de l'Autriche et tout. Alors, il vaut mieux être empereur à ce moment-là. Ah, je croyais qu'ils avaient fait le bonus. J'ai pas lu, j'ai vu les moins 5, moins 5. Je me suis dit, ouais, l'empereur a passé sa réforme. Mais pas du tout. L'Autriche a 2 votes pour l'instant. J'ai presque pas intérêt à prendre le vote de la Saxe. Quoique, si je me fais élire, c'est très bien. Il y a personne qui a 2 votes, hein, par eux. Je pourrais essayer de me faire des amis. C'est Cologne les plus proches après. Oh, ils ont rendu. Je suis pas sûr de pouvoir les manger par contre. C'est dommage ça. Par mesure de sécurité, on va monter. Bon allez, il n'y aura personne. Pouvoir pour les nobles. Accordons un titre de général. Voilà, c'est fini. Hop. Ah, du coup, je me dis, je vais prendre ce bonus pour pouvoir conquérir là nos nouveaux états. A acquis au moins 5 états. Et après, il faut que je réunisse une armée. Ça va prendre longtemps. Ça va me réduire le coût de maintien des états. Ah, pendant 25 ans. Pas si top que ça. Après, je pourrais unifier la région. Toutes les provinces de la région Allemagne du Sud appartiennent à Bavière. On verra. Et l'empereur du Saint-Empire. Et défenseur de la foi. Et il faut qu'on ne soit pas dans l'ère des découvertes et que notre unité religieuse soit importante. Oh, coût de construction encore réduit. Mais qu'est-ce que j'ai à construire à Munich en fait? Rien du tout, si.
Ce serait bien d'avoir les ateliers avant. Après, je pourrais faire un peu de développement et tout. Les bourgeois, vous pourriez financer notre glorieux pays. Et vous? On va vous acheter des points. Le Palatinat. Pendant le mariage a été rompu. Faisons-le. Il vote pour moi le Palatinat ou pas? Ouais, c'est le seul et seul à voter pour moi en plus. Oh la Saxe, on va les gratter à l'Autriche. C'est un succès aussi de prendre l'Empire à l'Autriche. Combien ils m'accordent parce que je suis un grand pays? Grand pays du Saint-Empire plus 25. Même sphère culturelle plus 5. Alliance, réputation diplomatique, légitimité, prestige. Si je gagnais de la réputation diplomatique, ça m'aiderait. Ça rapporte pas de la réputation diplomatique, ça rapporte juste des points de dev. Ah, est-ce qu'on peut renvoyer un émissaire du coup? Là, prenons un peu de prestige. L'influence des clercs n'est pas au moins de machin. Non, on va pas sacrifier ça. Papoter. Non, mais on n'a pas de contrôleur. Et croisade contre les Ottomans pour l'instant. Il s'est passé quoi? Il y a eu la paix blanche entre la Bosnie et... On dirait. Ah, je suis en guerre, je faisais même pas attention. 42, 52. C'est les 42 donc il faut que je me méfie. Si la Bohème est toute seule, c'est pas vraiment une coalition. Autriche, j'espère que tu ne demanderas rien. 53. Y a pas de truc qui permet d'obtenir directement la réputation de la réputation diplomatique, si c'est bien ça. Non. Ou alors réduction de impact de l'expansion agressive, je pense que ça va m'être très très utile. Je vais avoir un gros bonus pour convertir mes gens. Corruption annuelle, c'est bien. Efficacité du soutien aux rebelles. Bon, bof. Détection des espions étrangers, pourquoi pas. Constitution de réseau d'espionnage, c'est intéressant. Diplomate plus 1, c'est intéressant. Coût de fabrication des revendications, pourquoi pas. Allez, on peut fabriquer des revendications pour les dépendances. Oh, c'est chouette. Et efficacité de l'embargo et de la course. On va pas prendre ça pour l'instant, on va attendre un peu. J'espère que ça va descendre de quelques pourcents. Expansion agressive plus 3,1 par an. Ouais. Ah, ils sont amicaux. Je me demande si mais ceux qui sont pas amicaux, ça descend pas moins vite. Non, non, ça descend à la même vitesse. On va améliorer les relations avec les voisins en partant du principe que ils ont moins de chances de rentrer dans une cohorte. S'ils sont amis avec moi, Würzburg il m'aime bien. La S il m'aime bien. On va quand même améliorer les relations. J'ai pas envie de prendre de lassitude de guerre quand même. Malheureusement, ça va un peu réduire le bonus de l'empereur. Vote encore pour l'Autriche. Ah là, ils sont beaucoup trop pour l'Autriche. Faudrait que je pique deux sièges. Nassau s'est fait dépasser. Même si la Saxe vote pour moi, ça ne me suffira pas. Cologne, on va continuer à les influencer. Bad, on reviendra peut-être. Ah non, on est à 50. On pourrait partir du principe que...
que ça va le faire. Ou alors d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Popopo. Ah, je pourrais faire une revendication sur le siège du Palatinat. Ah oui, il y en a même dynastie, même. Il a quel âge, le Palatinois? 43 ans et pas d'héritier légitime. Il y a moyen, il meurt. On va attendre un peu encore, désolé. Institution, est-ce que l'Autriche l'a accepté? Ouais. Ça a commencé à monter à fond. Malheureusement, je vais installer plus de dévastation. J'ai pas gardé ça. Ah, ça doit être là. Hop. 11%. Et elle a été complètement vidée. D'ailleurs, il y a de la dévastation que là. Ah non, il y en a en Hongrie. Il y en a en Angleterre. Oh, il y en a beaucoup du côté de Novgorod. Il y en a en Crimée. Il y en a beaucoup au niveau de l'Ottoman aussi. Mais ça disparaît peu à peu. Pas avec les moins 19 par contre. Reviens. Diplomatique, colonais. Colonier, je sais pas comment on dit. Le Brandebourg, il pourrait m'apprécier. Palatinat a déclaré la guerre à Alsace. Alsace qui est suivi de Trèves, Nassau et Anhalt. Tant qu'ils n'ont pas besoin de moi dans la guerre. Voilà. J'avais juste besoin de ça. Ah, ils attendaient juste que je termine ma guerre. On va pas passer là, on n'a pas de morale. Du coup, je suis en guerre face à qui? Anhalt, Nassau, Trèves. Ça va pas m'aider, ça. Bon, ils me soutiennent en élection, donc on va dire que. On est pour eux quand même. Faudrait que la Saxe, elle arrête de préférer l'Autriche quand même. Trèves, je suis en guerre contre eux. Eux, ils me détesteront toujours. J'ai Brandebourg, Cologne et Saxe qui sont susceptibles de passer. D'ailleurs, c'est même pas trop pour aucune raison particulière. Alors, par contre, j'essaye de libérer la province. Donc, si vous voulez bien me laisser faire, ce serait cool. Ah, ils recrutent des troupes. Ah, parce que c'est l'Alsace qui possédait le territoire. Mort du maître instructeur. Ah, c'est vrai que j'ai des gars. Niveau 1. Oh, ils peuvent venir. Ah, bah, vous venez pas? Ah, l'Autriche est entrée en guerre. Hop. Prenons du développement de la Renaissance. Bourgogne, Brabant, Flandre et Hollande. C'est quoi le motif de la guerre? Conquête autrichienne.
Ah non, la Bourgogne veut conquérir la Savoie. Et la Bourgogne est suffisamment puissante pour pouvoir se permettre d'avoir l'Autriche dans ses guerres. Ah, parce qu'ils attaquent l'Empire, c'est pour ça. C'est un envahisseur. Oula. Il y a moyen de faire demi-tour? Non. Ah, finalement, ils veulent pas venir. Le siège du Palatinat, ça m'importe vraiment peu. Faudrait juste que mes alliés prennent la province plus vite. Ah! Ouais, on arrive l'Autriche. Ouais, tu sais, j'avais déjà une guerre en... Ah oui, c'est vrai qu'être allié à l'empereur, c'est affronter tous les ennemis de l'Empire. Donc ça donne quoi le rapport de force? On est deux fois plus nombreux. Ok. Ok. Ah, j'ai plus assez de revenus. Bon, je peux toujours prendre l'expansion bavaroise et faire du développement. On va faire ça. Ah non, parce qu'accroître nos revenus. Ah non, c'est juste pour les coûts de construction. Bon, alors coûts de construction, on verra plus tard. Ah, c'est pas une bonne ressource, j'aurais pas dû développer particulièrement ça. Bon, je fais grossir ma capitale. Augsbourg et Ulm ne sont plus des rivaux valables. Très bien. J'ai accru mes revenus. Ah, mais le truc, c'est que pour faire un bâtiment production, il faut que j'ai des blocs. Est-ce qu'on peut voir par contre combien ça rapporterait? 26 à Munich. Bon. Je crois que j'ai 25 ans quand même. Je pourrais développer encore un peu. En militaire. Ça vaut la peine de faire un bâtiment militaire aussi. Et après, on touche plus au point jusqu'au moment où j'aurai l'institution. Ah, je pense qu'ils vont perdre la Bourgogne. Ils vont soit céder une province. Est-ce que l'Autriche a une revendication sur... Ouais. Et comme c'est une province de l'Empire... C'est bien ça. L'Autriche pourrait réclamer soit la libération des États dans l'Empire, soit un truc équivalent. Ah mince, on a dû passer... Comment ça se fait que Cologne m'aime plus du tout? Je suis passé en guerre contre eux. Il me reste plus que Saxe. Ah, ils votent tous pour l'Autriche sinon. Ça va être dur. Peut-être parce que l'Autriche défend l'Empire ou un truc comme ça. Moi, je soutiens mes alliés. C'est bien aussi. Ah, ça va se taper. Pourquoi les Palatinois, ils combattent pas? Ah, parce que c'était Brabant contre... Ah, bah, ils étaient dans une de mes guerres, mais pas dans l'autre. Oh, ils sont nombreux, les Bourguignons. Ils sont très, très nombreux. Des batailles de géants. Ok, et c'est pour moi. Ah, les derniers se sont fait attraper. Accrochons-nous pour l'instant. Par contre, je suis pas sûr qu'elle soit consciente, l'Autriche. Que moi, là, je vais me taper. Non, elle a rien vu du tout. On va se retirer. Pas envie de prendre des pertes juste comme ça. Oh, je peux déjà adopter du coup. Ah, pour ce que ça coûte. Ouais, je peux même pas prendre les trucs, c'est pas forcément utile. Bon. Ah bah voilà, l'Autriche attendait de passer sans moi et maintenant elle est dans l'embarras. Ah, ils perdent parce qu'ils ont la capitale de la Savoie occupée et tout.
23 sur Brandebourg et la Saxe, on n'est pas très loin. Brandebourg, on peut monter à combien? Ah, on est déjà à 100, mince. Le faire revenir. Qui ne m'adore pas encore? Francfort. Il y a propre. Je crois que Mayence est un dernier électeur, on va améliorer nos relations. Vous. Vous m'adorez. C'est dommage que vous ne votiez pas pour moi. Que vous voulez-vous? Ils se permettent de faire le siège chez moi là. Ah, et la Bourgogne qui vient aider Anhalt. Il va falloir qu'ils fassent la paix avec l'Alsace, le Palatinat. Ouais, une nouvelle province de Basse-Zouabe. Je suis en guerre contre qui exactement? Anhalt entre autres. On va aller siéger des gens pour gagner des revenus. Perdu le siège de Plissen. Ah, parce qu'ils occupent Egras, c'est pour ça que mes revenus sont devenus tout pourris. Je peux pas soutenir moi. Pourquoi il reste sur la même province? Ah voilà. Allez, on a 33 contre l'Alsace. C'est le moment qu'ils sortent des pays. Sinon c'est moi qui vais sortir hein. Et plus de sous. On remplacera pas le conseiller. Non, je peux pas me permettre d'avoir Egra occupé en fait. Ce n'est pas économiquement viable. Elle me rapporte combien quand elle est occupée en fait la province? Quasiment rien, 0,55. Envoyons-le à Rome. Ah bon. Bon, pour l'instant, on va les laisser là. On est repassé en positif. Séparatiste verdien. Parce que le Lunebourg a été libéré, peut-être. Oh, ils sont relous les bourguignons. C'est pas moi qu'il faut siéger. Ah, la Saxe, c'est dans quelle guerre? Frise orientale, qui est un allié de l'Autriche, est sorti de la guerre. Est-ce qu'ils ont lâché l'Autriche? Ouais. Je sais pas s'ils sont rentrés dans l'Empire pendant ce temps-là. Non. Ils ont peut-être des malus, vu qu'ils ont été exclus de l'Empire à la base. Je pensais que l'Autriche était plus costaud, deux fois plus que... C'est étonnant qu'on se débrouille quand même pour perdre. La Savoie est occupée en fait. Et mon pays aussi. Occasionnellement. J'ai perdu mon diplomate en plus. On n'est pas en bonne voie pour être empereur. Mais j'ai trois gars qui sont fortement susceptibles de m'aider. Ah, il me propose une sortie où je perds des trucs l'Alsace. Tellement ils considèrent qu'ils ont gagné face à moi. Bon, mais je vais pas sortir. On a 37% de score au total. Oui. On a fini de piller Anhalt. Ouais. Suivant. Anhalt sort. Ils ont pas traîné, hein.
Dès qu'ils ont pu, on est 47% de score de guerre. Y'a qui? Nassau. C'est Nassau les derniers. Les derniers vigoureux. Allons nous mettre sur eux. On verra bien ce qu'ils diront. Y'a rien à piller par contre à Nassau. Et je vais me faire siéger ma capitale, moi. Parfait. On est repassé en positif même si on n'a pas l'objectif de guerre. C'est curieux, ça. Enfin, c'est curieux. C'est pas curieux qu'on repasse en positif. C'est curieux qu'on n'ait pas l'objectif de guerre, plutôt. Allez, l'Autriche. C'est gagné pour nous. Trêve est sortie. Ils auraient pas dû sortir trêve, je pense. Ils auraient dû attendre pour sortir tout le monde à la fois. Ah, et trêve a cédé une province. Bien joué, le Palatinat. Ceux qui m'aiment le plus, le Palatinat. Brandebourg, ils m'aiment vraiment beaucoup. Je me dis que si jamais je m'allie avec eux, faudrait que je sorte quelqu'un, par contre. Genre la Pologne. Mais je me vois mal sortir la Pologne pour récupérer le Palatinat. Les Palatinats, ils n'ont pas le sens des priorités, hein. On siège Nassau et la guerre est finie. Eux, ils préfèrent dessiéger leur province. Alsace a fait la paix. Pourquoi je paye si cher pour les forteresses? Il y en a une que j'occupe quelque part. Occupée par Bavière? Pourquoi j'ai le droit de récupérer ces provinces? Je suis pas allé jusque là-bas, à ce que je sache. Pourquoi je serais le plus méritant? C'est pas moi qui ai déclaré la guerre non plus. Du coup, je pourrais sortir en paix blanche. Je pourrais même leur demander de faire des paix avec des gens. De céder leur traité avec des gens. Wow, je pourrais leur demander 30% de score de guerre. Ah, je suis désolé l'Autriche, mais là, tout d'un coup, l'occasion qui s'offre à moi. Non, transfert de vassal, ils apprécieraient pas. Est-ce qu'ils sont alliés des gens près de moi? Sienne, Venise. Pourrait rendre des provinces, pas très intéressant. Si je me rends, ils vont être vexés, mais si c'est tout, je pourrais me rendre. C'est un peu profiter du score de guerre que j'ai pas gagné, mais bon. Et après, ils seront mal sans moi. On va les choper plutôt, si je peux. Oh, ils sont passés en vigoureux. Ah, j'ai pris un emprunt, ça devait arriver. Toi, t'es allié à tout ça. Dont deux cités libres à côté de chez moi. Bon, ça coûte super cher de réclamer une cité libre. C'est pas forcément le plan. Par contre, Mayence, c'est pas une cité libre. Bon, j'ai pas du tout. Sol, y'a qui? Mayence, Hesse, Ulm et Nuremberg. J'ai envie de les manger.
Pour voir ce que fait l'Autriche. En fait, c'est un électeur qui vote pas pour moi, qui vote pour l'Autriche. Qui ne vote pas pour l'Autriche aussi, à part le Palatinat, mon grand soutien. Bon, on va s'arrêter là. La suite de la guerre, ce sera pour le prochain épisode.